Bien tout le monde, c'est Edro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau format. Aujourd'hui, sur YouTube, je suis accompagné de mon très cher Robin. Encore ? Comment vas-tu ? J'ai l'impression de te C'est vrai que tu squattes un peu là. Je suis bien là, j'ai une petite chaise. Ça me fait plaisir de t'avoir. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, nouveau format, très très original, quelque chose de jamais vu, un qui est-ce ? Ah, c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Petit retour dans le passé parce que vous l'avez vu, du coup, je suis en déplacement pendant les prochains jours, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir des vidéos. Et j'ai trouvé la solution afin de faire mes recherches à distance, c'est Opera. Alors pour ceux qui sont têtus et qui n'ont jamais cherché à optimiser leur moteur de recherche sur Internet, sachez que Opera vous régale avec plusieurs fonctionnalités. Vous avez différentes options comme par exemple ce qu'ils appellent le Tab Island qui vous permet de ranger vos fenêtres de navigation par catégorie. C'est ultra pratique. Vous optimisez votre travail, vous perdez moins de temps à trier parmi les 12 pages ouvertes, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Vous avez un VPN et un bloqueur de pub gratuit intégré dans Opera. Ça au moins, c'est top. Peu importe le site où vous allez aller, vous serez en toute tranquillité, que ce soit pour vos informations personnelles. Vous n'aurez pas de pub qui vont pop de tous les côtés de l'écran. Bref, c'est ultra pratique. Vous avez franchement plein de fonctionnalités. Vous avez le pop-out qui, pour le coup, ça régale. Honnêtement, je kiffe. Le pop-up qui vous permet de faire sortir une vidéo, de la replacer où vous voulez sur votre écran afin de continuer à faire ce que vous faites sur Opera. Vous pouvez continuer d'écrire vos messages, vos recherches tout en gardant votre vidéo. Vous pouvez être sur Messenger. Bref, vous pouvez organiser votre moteur de recherche comme vous le souhaitez. Et je vous le dis honnêtement, c'est ultra pratique. La meilleure façon de se faire une idée, c'est de mettre la main dessus. Vous aurez un lien dans la description pour tester Opera et vous le verrez que très rapidement, c'est facile à prendre en main. C'est ultra ergonomique. Et si vous êtes comme moi tout le temps en train de bosser sur l'ordinateur, vous allez voir que c'est ultra, ultra efficace. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est l'idéal. En tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis en déplacement pendant 2 semaines qu'il n'y aura pas de vidéo. Je ferai mes recherches à distance grâce à Opera et je vous laisse tout de suite avec la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de deviner, de se faire deviner un pilote via des questions. On va avoir 5 questions pour faire deviner du coup ce pilote. Alors les pilotes vont des années... bon, on va pas se mentir, il y a vraiment de tout. Hein, donc il va falloir être fort. T'as de la culture G un peu référent ? Ouais. 5 questions du coup. On va prendre 3 pilotes qu'on va piocher au hasard avec ces... magnifiques boules. Un peu d'ASMR F1. Je déteste ce bruit, ça me... Non, mais tu peux continuer. Non, pas de soucis. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, on teste des nouveaux formats. Voilà, on s'essaye et puis on se fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Et puis c'est parti. Est-ce que t'as des pilotes que t'aimerais bien avoir ? Bah, je vais pas te les dire, du coup. Si je tombe dessus, ça va être crevé. Il a pas tort. Pour savoir qui pioche en premier, parce que là j'étais l'impression que t'étais. Moi j'étais parti. BO1. BO1 Attends, j'allais faire avec cette main là, mais. Vas-y, je fais de la main gauche. Shifumi. Allez, hop, c'est moi, Guico. Le bruit est vraiment insupportable, je vais pas. Ah, j'aime bien. Allez. Ah, faut pas que je regarde du coup. Oui, c'est un peu le but du jeu quoi. Coucou. Bah mec, je te sens pas serein. J'en pioche qu'un ? J'en pioche qu'un, on va les faire un par un. Ok, ça marche. Je te sens pas serein déjà dans ta découverte de pilote, mec. Mais ça va aller, hein, t'inquiète. Ah ouais. C'est un format fun, de toute façon. On est pas là pour te... Il me make un truc on fou pas et là... je transpire. Ouais, c'est bizarre. Non, mais c'est le monteur. Je sais qu'on a aucune idée du coup des pilotes, c'est la prod vraiment qui a mis des papiers. Hein, voilà. Oh là là là, bref, round numéro 1, c'est parti. Je te laisse commencer. Allez, vas-y. Si jamais vous avez du coup, vous voyez le pilote que chacun a piqué. Je vais y aller avec la question la plus basique de toutes. Est-ce que ton pilote est champion du monde ? Non. Ok. Wow. T'es content là, hein ? Non, pas trop. C'est bien, il y en a. T'as le temps là. Hein. Ok. J'ai une question pour toi, Robin. Est-ce que ton pilote est toujours en activité ? Oui. Miam, 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 miam. Oh là 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 là, j'aime bien ce qui se passe. J'aime beaucoup. Sauf que je me suis fait un peu avoir. Alors attends, donc du coup, t'es pas champion du monde. Qu'est-ce que je pourrais poser ? Alors, je pourrais poser la question de l'activité, mais au vu de ta tête, à ta réaction, je pense pas que c'est un pilote encore en activité. Il est pas champion du monde. Est-ce qu'il a déjà gagné un grand prix ? Non. Non. J'ai l'impression que tu te mets dans la merde, là. Tu sais que t'as que 5 questions, là. Pas les mots, c'est 3, ouais. Comme le nombre de doigts de je peux me servir. Ouais. Ok, vas-y, à toi. Okay. Tu as donc un pilote en activité. Est-ce que ton pilote a marqué des points en 2024 ? Putain, je sais même pas. Oh, ouais, je suis dans, ça va. Si. Ouais. Ok. Ouais. On te baiser, là. Ouais. J'ai l'impression, ok, j'étoffe mon carnet de pilote. Très bien. Putain,
Attends, mais il est pas champion du monde. Il a pas gagné de course. Et qui ce mec? Ah. Le pire, ça me frustre parce que du coup, les gens regardent la vidéo, ils voient le nom. Mais il est trop con, putain. Mais sérieux, me demande. C'est pas t'es moche, puis t'es con. Tu vois? Est-ce qu'il est encore en activité? En Formule 1? Ou en activité de vie? Bah, non, est-ce qu'il fait encore la cuisine? Bah oui, en Formule 1. Ah, donc est-ce qu'il est sur la grille? Oui. Est-ce qu'il est sur la grille, c'est ça ta question? Oui, mais tu voudrais préparer Jean-Pierre Foucault ou... C'est votre dernier mot? C'est mon ultime bafouille. Ok, il est pas sur la grille. Yes! Il est pas sur la grille, le coco! Non, encore en activité aurait pu être une très bonne question. Bah c'était ça. Non, ta question c'est est-ce qu'il est encore sur la grille? C'est la même chose, c'est quoi, est-ce qu'il est en activité? Tu m'as demandé s'il était en activité en Formule 1 sur la grille. Il n'est pas pilote de Formule 1, il n'est pas sur la grille cette année. Ah ça va, c'est quoi ce mec aussi là? Vous me direz dans les commentaires, j'ai bien répondu à la question. Vous les commissaires, vous allez me dire, je savais pas que vous étiez des commissaires. J'ai bien répondu à la question. Donc il peut être pilote réserviste par exemple? Il pourrait. Ok. Ok, il m'en reste 3. Ouais. Donc ton pilote, il est présent sur la grille, il a marqué des points. Ah, t'es bien renseigné, ouais. Est-ce que ton pilote est champion du monde de Formule 1? Ah non. Ok. Merde, c'était la pire question à poser. Ouais, c'était la pire question à poser. Je suis trop bête. J'ai hésité sur les points, hein, il peut pas être. Ouais, je vais fermer ma gueule parce que je vais quand même me donner trop d'informations. Ok, donc il me reste 2 questions. Donc, il est pas sur la grille. Il n'a pas été champion du monde, il n'a jamais gagné Grand Prix de F1. Non. Potentiellement, il est encore en activité ou il ne l'est plus. Est-ce qu'il a déjà fait partie d'une des 3 top teams? D'une des 4 top teams, pardon. Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull. Non. Bon, ouais, je vous m'avais donné qui là? Non. Il a pas fait partie de ces. C'est qui ce boug? C'est moi, oui. Ni en tant que pilote officiel, ni même en tant que pilote réserviste. J'ai essayé de t'aider, je me suis dit peut-être qu'il a été réserviste à un moment, il me semble que... Ah, trop sympa. Avec plaisir. Est-ce que ton... Bizarre. Ça va, la prod, on triche, là? T'as donné une fausse info? Oh, oui, t'as donné une fausse info. Attends, pour de vrai, j'étais sérieux. Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, pilote réserviste? Ah mais non, mais je vais donner une réponse, c'est pas ça la question. Il a pas été réserviste. Il a été pilote, il a été... Il a été soit pilote de simu ou développement ou de trucs comme ça. Il a déjà porté les t-shirts d'une de ses 4 écuries. Ça, je te l'offre. Il a pas été réserviste, hein, je crois. J'ai trouvé. C'est vrai? Je crois que j'ai trouvé. Merde. Ah non. Ah si. Ah non. Ah, mais il pouvait pas fermer ta gueule, toi? Ah, putain. Ah, j'ai trouvé. Moi, il me reste 2 questions. Ouais, vas-y, ça serait... Bref, vas-y. Est-ce que ton pilote a déjà gagné une course? Une course? De Formule 1? Non. Donc il a marqué des points cette année. Il est sur la grille, mais il n'a pas gagné de course. Dans l'histoire, hein. Ah, bien sûr. En fait. Il n'a jamais 0 victoire. Il m'en reste une avant de donner un guess. Ok, il te reste une question aussi. Est-ce qu'il est allemand? Oui. Ah, pourquoi tu... Oui. Il était pas mal en t-shirt Mercedes, moi j'aimais bien, mais tu vois. Je l'aimais bien, moi. Je sais pas ce que t'en penses. Après, c'est vrai qu'on aurait tous voulu le voir dans une combinaison Ferrari un jour, hein, mais bon, peut-être que ça arrivera, mais bon. Mais vas-y, il te reste une question. Ou alors, je peux faire mon guess? Oui, tu peux, techniquement, oui. Hydro, est-ce que ton pilote est Mick Schumacher? J'ai bien la haine. J'ai bien ça. Merci, la prod. Est-ce que ton... Ça va, la prod, on triche, là? Ah, mais non, je vais donner une réponse, c'est pas ça, la question. Il a pas été réserviste. C'est vrai? Merde. Tu pouvais pas fermer ta gueule, toi? Est-ce qu'il est allemand? Allemand. J'ai bien ça. Putain. Sors le truc de... Sérieux? Me suis fait voler. C'est honteux. C'est honteux. Sans la prod, je trouvais jamais. Mais oui. Mais il a pas été réserviste. Non, il était pilote de développement. Mais il était pas pilote. Pas... Ah, il a peut-être été pilote réserviste quand même pour ma tête pour Mercedes. Je crois qu'il l'a été peut-être pendant un moment. Non, fair enough. Si je me suis trompé, vous nous direz dans les commentaires. Mais merci la prod. Je vais quand même essayer de deviner le tien. Allez, pilote sur la question. Grille. Donc pas de victoire. Donc on enlève Hamilton, on enlève Russell, Verstappen, Perez, on enlève Leclerc, Sainz, Alonso. On enlève Nor. Ah bah non, pas Norris. Est-ce que ton pilote a roulé? Est-ce que ton pilote roule pour une des 4 top teams? Est-ce que ton pilote roule parmi une de ces 4 équipes? McLaren, Aston, Haas et ces 3-là. Ok. McLaren, Aston, Haas. Oui. Bah ça m'aide pas du tout au final. C'était probablement la pire question à poser. Et ben je vais tenter un. Je vais tenter un Lance Stroll. Je t'ai goûté. C'était qui? Bah. Ah c'était Stroll? Pas du tout. Oscarito, c'était Oscar Piastri. Putain. J'étais trop content d'être tombé dessus. Oh, le seum. J'avais un petit doute sur la question, est-ce qu'il a gagné une course? Mais non, en vrai, il a gagné une sprint. Il a gagné une sprint, c'est non, pas ça une course. Pas. Non, je suis d'accord. Ah, 1-0. Bravo, bravo. Putain, je me suis fait avoir. Rappellera quand même que cette manche a été volée par la prod, mais qui m'a bien aidé. C'est pas grave. Round 2, c'est parti. Deuxième
manche. Ah, il est horrible ce bruit, on va rien entendre en plus le micro. Tu piques non, ou je pique? J'ai pique avant donc. Allez, je pique. US Concarneau. J'aime bien celle-là. Ah vas-y, ouais, prends la tienne. Mais j'aime beaucoup celle-là. Elle sent la victoire. Ah non, celle-là, elle pue la merde. Moi, la mienne sent la victoire. Oh, j'aime beaucoup la mienne. Oh, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup la mienne. Manche bonus. Allez, manche bonus. Vous voyez la carte du pilote? Non, vous ne la verrez pas. On ne vous dit pas qui est le pilote que nous avons choisi. Vous allez devoir jouer avec nous et essayer de nous dire dans les commentaires si vous la trouvez ou non. C'est parti, je pense que celle-là, elle va être pas mal du tout, là. Ouais. Je commence. Allez, vas-y, mon grand. 5 questions pour deviner ton pilote. Première question, est-ce que ton pilote est toujours en activité, en Formule 1? Donc sur la grille. Sur la grille. Est-ce que ton pilote est sur la grille de Formule 1, pardon? Non. Aïe. Ok. Est-ce que ton pilote a piloté en Formule 1 avant 2010? Oui. Ok. Oui. Donc ton pilote n'est pas sur la grille de Formule 1. Non. En vrai, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va. Est-ce que ton pilote est déjà monté sur un podium de Formule 1? Oh putain. Est-ce que je peux utiliser mon joker et regarder Wikipédia? I guess so. Ou est-ce que la prod peut m'aider éventuellement? Vas-y, je regarde pas la prod. La prod, je regarde pas. Bah, ah bah oui, non, si en soi, tu peux lire, oui. Alors, il me semble que oui aussi. Bah, je me dis que s'il avait fait un podium, tu le saurais quand même. Il a fait des podiums? Ok. Il est déjà monté sur un podium. Comme Kobayashi. Non. Normalement... ah oui, pardon, pardon. Parce que normalement, quand on fait des guests... Oui, non, pardon, c'est l'éliminateur. C'est perdu. Ah, ça va, je me suis emballé. Calme-toi. Sur ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Oui. Allez, Donc, il a roulé avant 2010. Oui. Est-ce qu'il roule toujours en Formule 1? Non, 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 non. Ok, ok. Non, non, il ne roule plus en Formule 1. Ok. Là, j'aime bien parce que eux, là, dans la même merde que nous, là. Que nous, là. C'est dur, ça fait moins les malins maintenant. Hein. Troisième question. Donc, ton pilote a fait un podium, oui, mais ne roule plus en Formule 1. Oui. T'as galéré à savoir s'il avait fait un podium, donc c'est pas forcément un pilote qui a gagné des courses, voire des titres, sinon on le saurait. Est-ce que ton pilote a roulé à l'époque des V8? Oui. Oui, oui, oui. Ok. Ouais, ouais. Est-ce que ton pilote, Julien, est déjà monté sur un podium? Oui. Eh bien, ça ne m'aide pas du tout, je ne sais pas pourquoi je pose cette question. C'est fou parce que tu te rends compte, après avoir posé la question, qu'en fait, ça t'aide pas au final. Pas du tout, ça ne m'aide pas du tout à cibler. Il me reste 2 questions. Bah, je ne sais pas comment je vais faire. 2 aussi. Donc, ton pilote a fait un podium, a roulé donc, entre 2006 et 2014 et n'est plus sur la grille. Ok. Est-ce que ton pilote... Après, c'est possible que tu mets bait sur le podium. Et... Ah, quoique la prod a pas bait. Est-ce que vous êtes complice et que vous me la mettez à l'envers? Est-ce que tu vas chercher un peu loin? Ouais. Est-ce que ton pilote... Tout de suite, une page de pub. Est-ce que ton pilote est européen? Oui. Quand même, enfin... Laisse-moi réfléchir. Donc il est européen, donc ça élimine tout pilote brésilien, vénézuélien, ça élimine tous les pilotes américains, japonais, australiens. Ouais. Enfin, l'Europe quoi. Ouais, l'Europe quoi, enfin l'Union européenne. Ok, alors le tien. Parce que là j'ai l'impression d'essayer de deviner mon pilote alors que je le connais. Mais c'est ça qui me terrifie, c'est que tu connais pas ton pilote. Mais si, mais. Bah, non, est-ce qu'on peut avoir juste. Est-ce qu'on peut avoir tous les de Robin? C'est ultra compliqué, bref. Ou peut-être tu te baites. Ah, donc le tien. Le tien, on a dit quoi? Courbet. Non, attends, je me rappelle plus mes questions. Oh, c'est dommage. Non, il est né. Donc il est plus en activité. Il a jamais fait de podium. Il a roulé. Non, si je t'ai dit qu'il avait déjà fait un podium. Ah, si, 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 si. Ah, si, si, si. Ah, oui, ok. J'ai dit qu'il avait fait un podium. Ok. Il n'est plus en activité. Ok. Est-ce que ce pilote est européen? Je reprends ta question pour le coup parce qu'elle est très bien. Ça m'aide pas du tout. J'aurais préféré que tu me dises qu'il est fort du continent océanique, genre c'est Marc Oder, tu vois. Mais ça m'aide pas. C'est pas lui. Bah, ouais. Tant pis. Il me reste donc une question. Ouais, mais je sais pas comment tu fais pour trouver. Ton pilote n'est plus en activité, a fait un podium au minimum, mais faut croire pas beaucoup. Il est européen. Le mien est trop simple en vrai comparé aussi. Oh, ça va, arrête. Je déteste ça. Oh, c'était pas facile le contrôle 18 sur 20. Arrête. Bah, le tien est trop dur par rapport. Mais pas du tout, tu poses des questions de merde. Bah, t'as trouvé le mien? Non, mais parce que je pose des questions de merde. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime à cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si ça vous plaît. Et à nous dire avec qui vous voudriez l'épisode 2. Est-ce que ton pilote a déjà roulé pour une écurie championne du monde? Oui. Mais tu trouveras pas, mais oui. Voilà, ouais, non. Il si n'est plus en activité. J'ai entendu un « oh, c'est chaud ». Je sais pas lequel des deux l'a dit, mais j'ai entendu un « oh, c'est chaud ». Ah, pas mais c'est moi, tu trouveras pas. Hein. Là, ouais, tout ce que t'as, tu trouveras pas. Je vois pas comment tu peux trouver. Moi, je te le dis. Le bien. Est-ce qu'il est champion du monde? Oui. On peut faire un guess? Bah oui, de toute façon, c'est le moment. Ah, c'est à toi d'abord. Oh, si je refais un clutch comme Mick Schumacher... Attention, je pense que vous l'avez les gars. Et 2014, il a roulé dans une écurie championne du monde. Il a minimum un podium et il est européen.
Non, je l'ai pas. Non, je sais. Mon cerveau sur bouillonne. Ah non, il y a 3 possibilités, moi je vais tout casser. Ah mais non, mais il y a 4 possibilités même. Ça, je joue entre 4 personnes. Je peux les moi, dire? J'en ai trop moi. Attends, il va falloir que je tente le mien, mais j'en ai vraiment beaucoup. Non mais moi je peux te dire si tu veux les 4 auxquels je pense. Vas-y. Je pense à... De toute façon c'est par élimination. Il y a Michael Schumacher, Jenson Button, Raikkonen et Nico Rosberg. Et je sais pas lequel ça peut être. C'est un des 4. Moi? C'est sûr et certain. Mais moi il y en a trop en fait. Ah bah oui, t'as mal posé. Moi, mes questions... moi j'ai Trulli physique et là en tête. Je pense que c'est Jenson Button. Putain. Non, c'est pas lui. Non, pas du tout. Je sais pas, c'était qui. Mais c'est pas loin. Attends, je te donne le mien et après on va faire les trucs. C'est un des 4 de toute façon. Je vais dire Raikkonen. Raikkonen? Ouais. Non. Ah putain, c'était un il des 3 autres. Il était un dans les 4. Ouais. Ah putain. C'était qui? Nico Rosberg. Ah putain, mais c'était sûr en fait. J'ai trop le seum, moi t'aurais jamais trouvé. C'était qui? Tu veux refaire un guess? Non, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Aiki Kovalainen. Le mien était plus dur. Le mien était plus dur. Le mien est trop simple en vrai comparé aussi. Oh, putain, mais comment je trouve ça, moi? Aiki Kovalainen, c'est dur. Frère, il était trop dur. Ouais, il était dur. Par rapport au tien, ouais, il était dur. Je trouve qu'on pose pas de bonnes questions. Dites-nous dans les commentaires si vous aviez un des 2 au moins. Ceux qui ont trouvé le tien, enfin ton pilote, chapeau. Ou alors vous avez... Fort. C'est des tricheurs, non, ils ont juste avancé, ils sont... Ah, oh, j'ai trouvé Aiki Kovalainen. Bref, round 3, c'est ma seule chance si je veux te rattraper. Exactement. Ça va être compliqué. Tu peux. On est reblessé. Bon ben. Wow. C'est l'heure de la troisième manche. Ouais. Pour l'instant, je gagne. C'est ouais, cool. C'est vrai. J'aime bien cette vidéo. C'est vrai. Mais ça peut vite changer, comme tu dis. 5 okay. Questions de pilote. Un vainqueur. Un vainqueur. Enfin, techniquement, on peut y avoir égalité aussi, du coup, parce que si je marque ce round, du coup, ça fait 1-1. Point contre double. Point contre double, il y a un vainqueur dans tous les cas. Ok, vas-y, point contre double. Ça roule. Si à 0, 2 fois 0, ça fait. La tête à tout toi. Tu commences. Allez. Ou je commence? Vas-y, bah, je commence, hein, j'ai tiré. Vas-y, ouais. Ouais, ouais. Ok, est-ce que ton pilote a roulé avant les années 2010? Non. Ok, donc forcément après. Oui. Ok. Est-ce que ton pilote est champion du monde de Formule 1? Oui. Ok. Est-ce que ton pilote est champion du monde de Formule 1? Non. Bizarre. Ah mec, je te donne une réponse, tu comprends pas? Ouais, j'ai l'impression que t'as hésité vachement. Ah non, il est pas champion du monde. M'emmerde un peu. Est-ce que ton pilote a été champion après l'année 2000? Donc de 2000 à 2024? Oui. Oui? Oui. Ouais. Est-ce qu'il a roulé pour une des 4 top teams dont on a parlé tout à l'heure? Tu peux me les redonner? McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari. Oui, il a roulé... Tu l'as? Ok. T'es fort. Franchement, t'es solide, hein, tu seras plus jamais invité sur ma chaîne. Est-ce que ton pilote a roulé pendant l'ère hybride? Oui. Donc à partir de 2014, il était encore en activité. Oui. Question plus la merde. Oui, ah bah oui, ma parce question que là, plus la merde, j'ai juste enlevé Schumacher. Bah oui, mais c'est vraiment, c'est une question est vraiment nulle à fier. Ok, donc toi... 13 questions. Non, il m'en reste 3. Quoi? Bah oui, j'ai posé top team et champion du monde. Et avant, tu m'as dit ce qui roulait avant les années 2010? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, je te surveille la magouille. Pas fan de Marseille pour rien, lui. Je vais briser tes os. Est-ce que ton pilote est européen? Oui. Comme ça Oui, il est européen, oui. Oui, il est européen, mais tu veux quoi de plus? Bah, pourquoi t'hésites? Bah, juste, je connais pas ma géographie. Oui, il est européen. Ah d'accord, ok. Ça m'arrange pas parce que pour moi, c'était Daniel Ricciardo, donc... Peut-être lui? Il n'est pas européen. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que ton pilote a roulé chez Ferrari? Oui. Ça me laisse Alonso, Vettel et Raikkonen. Ça me laisse 3. Ça va, moi, c'est une question. Est-ce que ton pilote est encore en activité en F1? Mon pilote est encore en activité. Mon pilote a roulé la semaine dernière, roulera la semaine prochaine. Comment il va, Kevin Magnussen? Bon, écoute, il s'occupe de son deuxième enfant, ça va en vrai. Lui. Putain. Ah, fallait que je le tente, frère. Non, mais il t'en reste une ou pas encore? Ah non, c'était ma dernière. Ah, c'est dommage. Mais il m'en reste une, moi. J'ai tenté Kevin Magnussen. C'est vrai. Ça aurait pu être Kevin Magnussen. Tu me le donnes, c'était qui? Ah, de toute façon, il en reste pas beaucoup, honnêtement. Ah si, il en reste beaucoup. En top team qui roule cette année. Bah, qui a roulé parmi les 4 top teams qui roulent cette année. Et il est pas champion du monde. Et il est pas champion du monde. C'est Lando. Pas mal, non? Bah, je vois pas qui ça peut être. Bah, Sainz? Ouais. Ah, putain. J'ai hâte que tu te trompes. Donc, on résume. Un bonheur. Ton pilote. Donc là, si on regarde, le pilote qui est en bas de l'écran a roulé pour Ferrari, a été pilote pendant l'ère hybride, a gagné un titre de champion du monde, et ça après les années 2000. Ma question est très simple. Non. Oh non, j'en ai 3, je peux pas me tromper. Parce qu'en fait, en soi, je vais en éliminer un et après, ce sera 1 sur 2. Est-ce que ton pilote a fait un podium de... J'ai pas envie de me tromper. Est-ce que ton pilote a fait un podium après le Grand Prix d'Abu Dhabi 2018? Pas. Oui. Oui, je dirais oui. Ton pilote est Sébastien Vettel? Pas du tout. C'est qui? C'est Alonso.
Il a fait un podium après Abu Dhabi 2018, il est trop con. Je vous l'avais dit qu'il allait se tromper, mais t'es vraiment nul. Vous savez que j'avais la même réflexion, j'étais en train de me dire, mais Vettel, après 2018, il a plus rien fait. Mais bien sûr que si, il a gagné. Mais Alonso, il a fait un... Pour moi, dans ma tête, il n'y avait que Alonso qui avait fait un podium. Ta question pue sa mère. Parce que vous en pensez, j'ai adoré le concept. Oh non. Dans ma tête, j'avais victoire. Et j'étais en mode, bah, il n'y a que Vettel qui a gagné après Abu Dhabi 2018. Eh, mais t'as dit... Oui, j'ai dit podium, non, mais je suis bête. Ah oui, vous savez. Ah oui, bah oui. Ouais, ouais, pouce bleu si je suis bête. Allez, let's go, le record pouce bleu. Bon, bah bravo ouais, du coup. Non, ça porte malheur. Ah ouais? Bravo. Bravo. Écoute, félicitations. Je me suis fait avoir la précipitation. Déçu. Ah, c'est vrai que c'est un peu chiant de gagner, mais bon, ça me change pas des jeux break check, quoi, bon. Une fois que tu vas sur ma chaîne, tu comprends ça. Pas de soucis, avec plaisir. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, voilà, nouveau format que je trouve très très cool et qu'on pourrait refaire avec d'autres invités, donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup d'avoir avec joué. Plaisir. Merci de m'avoir battu. Ouais, ça te rend si heureux. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est plus important. Ciao, ciao.